Allez tout le monde, bon, nouvelle vidéo, en tout cas j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc aujourd'hui on est mardi 11 juillet, il est 10h25 et là on va prendre un train pour direction Barcelone pour faire les boutiques là-bas et je voulais vous emmener avec nous pour cette journée shopping. Il y avait quoi? T'avais une big mouche sur toi. D'accord, ok. Et voilà, il y a un camion de poubelle juste devant nous. Il fait un bruit pas possible. Donc on vous a pas pris pour le petit déj car on n'a pas eu le temps. Mais là on va direction la gare, on prend le train puis on vous reprend après. Bon, le train arrive dans 3-4 minutes, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc ça va, on n'a pas trop à attendre. On est arrivé pile à temps. Ouais. Bon, on est arrivé à Barcelone. Ouais. On vous a pas pris dans le train, il y avait beaucoup trop de monde. Bref, là, Cyliane veut aller dans la boutique Barcelone. De Barcelone pour prendre un t-shirt, je crois. Ouais. Donc on va aller là et après on ira manger McDo, je pense. Bon, alors, la boutique de Barcelone, c'est ici. On va aller voir. Bon, c'est lui que tu veux? Ouais. Donc là on l'a trouvé en S et l'autre fois j'étais pris de short. Celui-là, c'est ça? Comme ça, t'auras l'ensemble. Ok, bon, tu vas l'essayer avant. Et c'est le vrai. Et c'est le vrai, oui. Bon, c'est bon la taille? C'est parfait? Ouais. Ok, bon, on le prend alors? Oui, d'accord. Bon, pour Tiliane c'est fait. Ouais. Et maintenant donc on va se poser au McDo, il est quelle heure? Il est midi 10. Midi 10, donc on va aller se poser au McDo qui est juste là, là. Voilà, c'est le même où on a été l'an dernier en fait. Bon, on mange sur place. Alors, déjà un Happy Meal pour ton frère. Ouais, bah comme la dernière fois. Voilà. Avec 4 nuggets. Donc, le luxe, c'est la meilleure. Les frites. Ouais. De l'eau. Et melon. De l'eau. Et prends le jouet. C'est quoi Muñeco? Muñeco? Je sais pas. T'as plus sur Google Drive. Donc j'ai pris un. Et le menu, il a combien ici, le menu enfant? Il a 4,20€. Ok. Alors moi, je pense que je vais le prendre pour des nuggets. Attends, on va montrer tout ce qu'ils font au McDo. Tous les menus qu'il y a en fait ici. Mais il y a des choses en fait qu'il n'y a pas en France. Là on vous montre les différents hamburgers et tout. Ouais, il y en a plein. Ah ouais, triple. Triple chicken mayo carrément. Triple. Donc là c'est pour les hamburgers et les menus. Ça c'est les menus ça. Moi je vais juste prendre des tu sais, les nuggets en boule là. C'est les nuggets. Avec des frites. Ça, plus jeune. Ouais, c'est ça qu'elle avait pris l'autre fois qu'elle n'avait pas aimé. Ma fleurie d'honnête. Plus jamais. Ouais, donc toi tu veux prendre des petites frites là? Ouais, ça, tu voilà. C'est des McBeats. Chicken McBeats. Ouais. Et moi je vais prendre des frites avec et puis. Oh non, on doit tout recommencer. Bon, on recommence. Ça va aller vite. Bon, c'est bon, on a commencé et je voulais donc vous montrer aussi ce qu'ils ont d'autre. Donc voilà, il y a des nuggets. Nous, on aime bien ceux-là, les chicken McBeats. Ben, vous avez compris quoi. Il y a des ailes de poulet aussi ici. Ouais, non. Voilà, il y a vraiment pas mal de choix ici en Espagne. Hein. Ouais. Bon, bref, on vous montre après ce qu'on a pris. Bon, on attend Kélia et son papa. Nous, on a été s'asseoir. Je vous montre rapidement comment est le McDo ici. Donc nous, on a été en bas. Voilà. Et après, là-bas, il y a des toilettes dans le fond. Donc voilà. Bon, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc alors, on a pris quoi? Alors moi, j'ai pris un menu nuggets. Ok. Big Mac, non? Non. D'accord, nuggets frites t'as pris. Ouais, ça me tente pas trop Big Mac. D'accord, ok. Après t'as pris les petites boulettes. Les petites boulettes comme ça là je vous montre. Voilà. Titi il a pris son Happy Meal. Son petit menu enfant là. Ok, on a du coca, des frites. Papa, il a pris un Big Mac. Un Big Mac. Et là on a une boîte de 9 nuggets. J'arrive pas avec une main.
Voilà, et elles sont bonnes ici, les nuggets aussi. Elles sont grave bonnes. Voilà, bon, on va manger ? Ouais. Allez, bon app. Merci. Bon, on a mangé. Oui. Et donc, là, on va aller à Sephora. C'est ça, où il y a le toboggan. Où il y a le toboggan, apparemment. Donc, on va aller voir ça. Et on vous montre en même temps. Qui est remontée en fait par là, il y a des escalators et tout pour descendre, pour monter, et si on veut en fait on a le toboggan, et il a voulu le refaire. C'est bon. Tu retournes? Ouais. Vas-y. Bon, en tout cas il a l'air super grand, Sephora ici, et là on a de quoi s'installer. Ça c'est bien, on peut se poser comme ça ici. Il est trop beau en tout cas le Sephora. Il bon. Est énorme. Ouais, t'as vu, il est énorme. Hein. C'est ce que je disais juste avant. Il est super grand. Là, il y a tous les gloss que t'as aussi, les gloss ou glossed. Je sais pas comment on appelle ça. 240. Tu l'as pas celui-là? Non. Non. C'est vrai qu'il est beau. Bah, tu demandes s'ils ont en réserve. Wow. Tu te rappelles de ta phrase? Ah ouais, il est magnifique. Il est magnifique. Après, il n'a pas été utilisé hein, parce que c'est moi qui viens de faire ça. Ouais. Bah après, c'est de demander s'ils l'ont en réserve au cas où. Oui. Essaye de voir. Ouais. Ils sont à combien ici? 12, 13. Ils sont pas moins chers en France? J'ai un doute. Celui-là, je crois, non? C'est vrai qu'ils sont magnifiques. Je ces crois que je l'ai, le 145. Oui, il me dit. Je crois que tu l'as, ouais. Ils sont beaux ces glaces là. Bon, c'est bon, il y était en réserve. Ouais. Et d'ailleurs, Kélia, en faisant le swatch sur sa main, elle a influencé une dame qui l'a elle aussi acheté. Oui, je sais pas ce qu'elle m'a dit, mais. Mais elle le voulait en tout cas. Voilà. Mais il est trop beau. Et c'est le 140? C'est ça. Ouais, c'est ça, 140. Il est trop beau. Voilà, on voit mieux. Le premier. Il est trop beau. On ira après. Ouais. On fait le tour d'abord comme ça. Moi j'aimerais bien savoir si la collection Grand Kélévin, elle est moins chère ici. On va aller voir. Ça reste le téléphone, t'as le chargeur. Ouais, il y a des prises et tout, c'est trop bien. Il y a de quoi se poser. Bon, on va aller voir Drunk Elephant, c'est ça là? Drunk Elephant. Drunk Elephant. Elephant. Elephant avec l'accent. Excuse ça. Me. Exact. Bon, là c'est des parfums. Ah oui, il y a les promos là. Ça j'aime trop. Un jour, un coton. C'est les masques? Non, c'est des cotons. C'est cher pour des cotons. Bah ouais, c'est cher pour des cotons. On va voir ce qu'il y a en promo. Il y a du truc à l'intérieur. Merci Andy là. Non, c'est que des cotons. Attends, je passe derrière toi. Very, very cher. Very, very cher. Tu me fatigues toi. Là, il y a quoi ici? Là, c'est du parfum, je crois. Waouh, trop beau. Ouais, elle est belle la bouteille. Ça vaut grave le coup la promo. Hein. Ouais, c'est vrai. Attends, je vais sentir. Là, il y a moins 15%. Tartelettes. Waouh, les couleurs. Elle est belle. Elle passe à 43 au lieu de 54. Ça vaut le coup la promo, non?
Ouais, ça après, va. Après, c'est pas de beaucoup. Hein. C'est pas non plus énorme, mais bon, ça va quoi. Presque 300 balles alors qu'on l'a eu à Aléop beaucoup moins cher. Ouais, mais celle qu'on a achetée à Aléop, elle est beaucoup plus petite aussi. Hein. Oui. Et je pense que c'est pas la même qualité. Bah, elle est plus petite, elle est pratiquement à 100 balles. Ouais, mais je pense que c'est pas la même qualité. Oui, mais c'est pas le même prix aussi. Là, toi, t'as pris bas prix, qualité, voilà quoi. Mais ça, c'était autant cher des regarde, épouses. Il est encore plus petit. Bah, 139 balles la plus petite. c'est super cher non, quand même. C'est ça, peut-être 11 euros. Je sais pas. Ouais, non, c'est ça, je pense. Hein. Ouais, bon. Je sais pas. Je n'ai pas notable. Alors, on n'est pas encore assez riche pour ça. Allons voir ailleurs. Là, il y a les baumes. Les baumes à lèvres, on en a plus en plus nous. Ils sont à combien ici? Je sais pas, je pense que c'est plus cher. Je sais pas. 4 euros je pense, 4-5 euros. Ouais. On s'en reprend un chacune. Sur moi je l'ai perdu le mien. Et moi bah il est vide. Toi il est vide. Donc vas-y, on se prend déjà ça. Déjà. Même s'il y en a en France, voilà. Ils sont beaucoup trop bien leurs masques pour les lèvres. Ah ouais, ils sont bien. Bon, on fait un tour d'abord. Et t'as pas trouvé Drunk Elephant là? Drunk Elephant. Ah là-bas. Elephant, Elephant. Elephant. Ah bah attends, après viens. Drunk Elephant. Drunk Elephant. C'est ici. Là il y a là. Drunk Elephant. Voilà. Ah bah voilà. Elle est plus chère là? 60 000 balles. Et attends, j'ai vu. Mais elle a quoi de magique cette crème? Bah en fait, elle enlève les boutons et tout. Et que bah, toute cette collection là, bah, elle s'y mélange entre eux alors que bah, les boutons. Oh, mais il y a bien d'autres crèmes aussi pour les boutons et tout, non? Non, pas celle-là. Parce que 70 balles la crème. Il y a un truc sur TikTok, je sais pas si c'est vrai. Mais regarde, il y a que ça comme produit alors qu'elle fait tout ça. Ah ouais? Et genre en fait, les rousseurs, après tu peux les changer. D'accord, ok. Et regarde, c'est pas trop beau genre en mode tuk-tuk. Ouais, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. Moi j'aime. Waouh. Attends. Ça c'est des gouttes de blush. Regarde, ça ressemble à ça. Ça c'est des gouttes de blush. Il est même en mode bronzer et highlighter. Ok, d'accord. Et un peu là, tout se mélange avec. Ok. Ça c'est pour les yeux, je crois. C'est un masque pour les yeux ou autre. Mais moi vraiment. Et toi tu veux quoi toi en fait? Pour mon ami, je voudrais bah, du coup le sérum. Ok, il a combien le sérum? Je sais pas, mais après là ils sont beaucoup plus chers les prix ici. Bon bah on verra en France alors. Hein. S'ils sont plus chers ici. Voilà, et moi il me faudrait la crème violette. Parce que ça apparemment c'est... Celle-là là. Apparemment ça c'est pour anti-rides, un truc comme ça. C'est pas écrit? Si, mais j'ai déjà demandé à un autre figurant. Crème fouettée. Ouais, et elle a 65 balles alors que à... En France, elle est à 59 francs, 54. Bon, bah on verra en France alors. Hein. Vraiment, je veux, genre moi, du coup, ce que j'aimerais pour mon anniversaire, cette crème-là, qui est incroyable, avec le petit sérum. Ouais, ok. Et c'est déjà bien. C'est déjà très bien, je pense. Mais en vrai, si je pouvais, j'aimerais trop avoir toute la collection, genre... c'est trop beau les packaging, non? Bah, pour le prix, hein, ils peuvent être beaux, hein. J'ai envie de dire. Bon bref, Drunk Elephant c'est bon. T'as vu? C'est genre... On s'en va. Et donc là-bas tu me disais qu'il y avait les brumes qu'on avait vues à l'aéroport. Oui c'est ça. Sol de Janeiro. Ah oui exact. Mais elles étaient à moins 15% à l'aéroport. Hein. Et là ils sont à 18. Je sais plus à combien elles étaient, elles étaient en promo je crois. Il y en a plus dedans. Il y en a encore plein. Bah après ça va pas pchiter alors. J'y arrive pas. Ah ça y est. Elles sont bonnes celles-là? Après ça allait l'aéroport je pense qu'elle a pris beaucoup moins cher. Elles sont bonnes celles-ci hein. Mais ouais c'était moins cher à l'aéroport. Donc on ira voir ça à l'aéroport je pense. T'as pris l'huile? Ouais c'est ça, celle du milieu. Ouais elle a pris... celle-ci, car les autres, il n'y a plus. Et avec le baume à lèvres. Alors, je sais pas si on entend avec la musique, mais ouais, donc elle a pris le baume à lèvres. On vous le montrera mieux dans une vidéo haul, je pense. Et l'huile à lèvres aussi. Et
ouais. qu'elle voulait trop et qu'on trouvait plus oui. en France. Donc là, voilà, comme ça, elle l'a trouvé. Et on va à la caisse, hein, je pense. Hein. Bon voilà, Sephora, c'est fait. Ouais. Bon, maintenant on a Tiliane qui veut aller où? À Nike. On va aller voir ça. Bon, Nike, il est loin ou il est à côté? Il est à 10 minutes. Ok. Et toi, tu cherches Victoria's Secret? C'est ça. Ok. Bon, et en face, là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un Primark. Là, là, ici. Il y en a voilà. pas à côté de Victoria's Secret? Il y en a pas? Non, c'est très très loin. Ah ouais? Ouais. Bon, donc là-bas il y a le Primark, mais on va pas y aller maintenant. On va aller hop, ça à côté. Vas-y, allez hop. Il y a Footlocker là-bas aussi, j'ai vu, mais. Vas-y, allez hop, c'est où hein? Allez hop, ça te dit quel sens? Ici? Je sais pas, attends. Fais voir. Oh là là, elle tourne en rond. Attends. On va aller voir par là-bas. Par là-bas, je pensais. C'est là-bas. Ouais, c'est chaud. Tiens, allez hop, on y va. Non, olé hop, plutôt c'est mieux. Non, je dis pas olé hop cette fois-ci. Je dis bien allez hop. Bon, alors là, on cherche allez hop. Il y a l'Occitane. Ouais, il y a l'Occitane juste ici. Moi, il fait trop chaud. Ah ouais, c'est étouffant là, la chaleur horrible. On y est presque. Ah, bon, bah on l'a trouvé. Il y a la vache. La vache. Voilà. Hop. On va voir s'il est plus grand que celui qui est près de notre hôtel. Hola. Bon, je crois qu'on va craquer pour ça. On l'avait déjà vu à l'autre boutique. Mais il fait tellement chaud. Tellement, tellement chaud, j'ai dit. La France, tu connais. Il fait tellement chaud qu'on va en avoir besoin là. Ça fait trop du bien. Ouais, vas-y, bah cherche celui que tu veux. Ouais, il y a les mêmes stylos et tout qu'on a vu là-bas. Lui, il a vu un nouveau doudou, un panda encore. T'as beaucoup trop de pandas. Tu le veux celui-là? Bon, on va voir. Bon, finalement, c'est le même aller hop que celui qui est proche de l'hôtel. Bah, c'est oui. les mêmes choses pour l'instant. Ouais, il est beau celui-ci. Moi, j'aime trop. Ouais, c'est celui que t'as pris. Oui. En fait, moi, j'aime trop cette collection, genre au niveau des éventails et du petit. Ouais, la collection elle est canon. Ouais. La collection La Vida Bonita là, elle est trop jolie. J'aime trop. Et d'ailleurs, ils ont pas ton ventilateur là que tu veux. Ouais, bah au pire, on le prendra. À Malgras, démarre. Ouais, près de l'hôtel. Oui, je pense qu'ils l'auront, il n'y a pas de raison. Bah après. On verra ce soir au pire. Bah oui, au pire. On verra ça ce soir. Et sinon, ouais, c'est la même chose. Il y a des petits porte-monnaie là aussi. Ah ouais, des petites pinces comme ça, trop chou. Ah c'est ça comme pince, c'est bien. Quand tu lisses tes cheveux et tout. Ça c'est bien comme pince. Ouais. Elles sont à combien? T'en avais acheté toi à Primark, elles étaient nulles celles de Primark. Elles tenaient rien. Tu prendras ou pas? Bah vas-y, prends même 2-3 pour le prix. Prends gris et rose. Ouais voilà. Et beige, prends les trois couleurs. Ouais non, je suis pas fan du beige hein. Au pire je prends 2 roses et 1 gris. Ouais voilà, vas-y. Il y a des shorts de bain aussi là pour les garçons. Il y a des chemises, il y a des tongs, des lunettes de soleil, des casquettes, des sacs, des sandales, il y a plein de choses hein. Ça j'en ai trop. Fais voir. En mode le sable, il descend derrière. Genre il descend devant. Derrière, devant, faut savoir. Bref il descend quoi. Mais ça j'aime trop, mais ouais. Je sais pas le prix, 100 euros. C'est trop beau. Est-ce que ça vaut le coup? Non, peut-être pas. On n'en a pas l'utilité, on va dire. Ouais, mais c'est beau. Ouais, mais c'est beau. On a des petites minuteries comme ça. Non. Forme de caca. Par contre, ah.
J'aime trop celui-là. En gris peint comme ça. Ouais. Il y a les bouteilles aussi là. Ça c'est un goupillon pour laver les bouteilles. C'est bien pratique d'ailleurs ça. C'est pas un truc de satisfaisant. Non, pas du tout. C'est pas un truc de massage, non. J'aime trop ça. En fait, tu mets ça au frigo? Oui, et là-bas c'est satisfaisant. D'accord. Là, je l'ai vu en mais 9 euros. Hein. Mais là, il est franche. 9 c'est euros. Pour nettoyer le visage. Le visage ou les pinceaux? Les pinceaux, et là, c'est pour le visage. Ça, c'est pour nettoyer les pinceaux. Ah, regarde, là-bas, il y a des brosses. Ça, c'est tellement. Ouais, donc, j'ai envie de le tailler. Ouais, dans ta détresse, là, quand même. Hein. Mais ça. Oh là là. Ça, on verra, on le prendra à la fin des vacances, je pense. Voilà, suivant les dépenses qu'on a fait et tout, on verra. Oui, voilà, on verra. C'est pas cher, 5 euros, mais bon. On va pas vraiment s'en servir, je pense. C'est vraiment le truc qu'on va acheter. C'est le genre de conneries qu'on achète pour rien, quoi. Ça, c'est trop bien. 3 euros et c'est grave bien, ça, je trouve. Ah ouais? Ouais, bah attends, regarde. Vas-y. J'essaye. Ah, ça fait trop du bien, j'avoue. C'est pas cher, 3 euros. Attends, vas-y, viens, on prend. Bah ouais. Oh non, y a que moi. On prend vraiment des trucs qui servent à rien. Il y a rose, je prends rose direct. Vas-y. Bon, là on va à Victoria's Secret. C'est ça, c'est à 20 minutes d'ici. À pied. Voilà, on a 20 minutes de marche, donc bah, on vous reprend dès qu'on est là-bas. Il fait super chaud. Il fait super chaud, ouais, c'est vrai. Bon, sur le chemin, on a retrouvé une nouvelle boutique à Léop. Alors, elle regarde s'il y a le ventilateur qu'elle voulait, qu'il n'y avait pas là-bas. Ils le font pas ici, j'ai l'impression. Je pense que c'est dans le centre commercial qui est juste là, le Victoria's Secret. À mon avis. Mais on doit attendre pour passer apparemment. Il fait chaud. Hein. Gracias. Ah, c'est bon. Oh, c'est bizarre. Hein. En fait, c'est là, là. Ça, ça bouge en fait. Il y a du monde. Hein. Je crois, c'est les voleuses là à l'hôtel. C'est celles qui volent les nuggets et tout là, sur les transats. Ouais, c'est ça. Victoria's Secret, hein. On est épuisé clairement là avec la chaleur. Ouais, il y aura d'autres magasins, je pense. On va voir ce qu'il y a, mais là, on n'en peut plus. Après, on se pose et on bouge plus. C'est ça. Ah, il y a Bershka, regarde dedans, il y a Kiko. On va aller voir. Viens par là, mon cœur. Il y a Mango. Attends, il y a des escaliers là-bas. Je sais pas par où vous passez. Il y a un aquarium apparemment. Oh. Là-bas. Il y a Sephora apparemment. Je sais pas, on va regarder. Ah, Victoria's Secret, il est là-bas. Où? Je le vois pas.
là-bas. Ouais. Devant toi. Alléluia, on l'a trouvé. Oui. On n'en peut plus. J'espère qu'il y a de la clim. Hein. Mais oui, oui, oui. Là, les boutiques, ils ont tous la clim. Vu comment il fait chaud, c'est obligé. Ça va toi? Ouais. Il y a plus beau juste à côté. Ouais, bon, on va aller voir. Bon, alors. On n'en peut plus. Il n'y a pas trop de clim, hein, mais bon. Regarde, il y a pas mal de brumes là qui sont en promo. Regarde, moins 40, je sais pas si on voit. Voilà, là on voit au moins. 13 au lieu de 22. J'aime bien cette odeur. Tu vois? Ouais, ça va, ça passe. Tu te rappelles, c'est la quête qu'on a achetée? Ouais, c'est Heat. Elles sont trop bon en plus. Ouais, c'est ça, tiens. Tu prends celle-là alors ou pas? Ouais. Ouais. Là, je fais un petit panier et après on verra. Ouais, on verra. Attends, il y en a en bas là. On a déjà. Ah oui, champagne. Fatiguée? Oui. On a fait un petit tour à courir et Kélia a repéré ces chaussures là. Ouais, elles sont trop belles. On les avait vues en France, mais t'avais hésité à les prendre. Et finalement, là, elle vient de les prendre. Là elles sont à 130 euros celle-ci. Et en fait le problème c'est qu'elle est serrée au niveau du cuir, genre ici. Voilà, mais ça devrait se détendre. Voilà. Donc elle les a pris, on verra bien. Du coup c'est ma paire d'Espagne. Voilà, ce sera ta paire de chaussures qui vient de Barcelone quoi. Trop contente. Bon, on s'en va. Ouais. Il est quelle heure? 4h25. Voilà. Ok, donc bientôt 18h. Donc sachant que là on est à 20 minutes à pied pour retrouver la gare. Et on va voir à quelle heure on a un train pour retourner à l'hôtel. C'est ça. Voilà. Prenez une photo avec les mamans. Tous les pieds que je veux voler. Ça c'est la place aux... Oula ! Ça c'est la place aux pigeons. Il est passé juste devant l'appareil. Trop beau les blancs. Moi j'aime trop les blancs, genre c'est. Ouais, c'est la place aux pigeons ici hein. Ouais. Oulala, il l'écrasait lui. Bon, on est dans le train, il y avait énormément de monde tout à l'heure. Là on est à Canet des Marves. C'est écrit juste là en fait. T'as vu? C'est ça. Et bah je pense que dès qu'on va arriver, on va aller manger. Et après on prendra une douche. Parce qu'on a archi chaud. On n'en peut plus. On est HS et tout là, c'était horrible quoi. Épuisant. Épuisant. Donc je pense qu'on vous reprendra après tout ça. Après manger et après, après les douches, voilà. Bon, après on descend et on est enfin arrivé. Et en fait, bah, ce train, en fait je sais pas si c'est un train ou si c'est un métro. C'est un mélange des deux. Un métrain. Ouais, je sais pas trop comment c'est. Ouais, c'est... Et donc là, bah, on arrive. Ouais. On va arriver, ouais. Enfin. Il est 19h56. Ouais, il est 20h quoi, donc on va aller manger surtout aussi. Mais non. Oh, je suis pas allée hop. Ah, on est passé devant. Là, on arrive. Hein. Ouais, on arrive, on y est. Il y a eu ouais, 1h10 à peu près, c'est ça? Ouais, 1h10, 1h15. Voilà. Et notre hôtel, il est là, hôtel Sorada Splash. Voilà. Bon allez, hop. On descend. Il fait super lourd. Ouais, franchement, la chaleur, elle était étouffante aujourd'hui. Bah là, elle est étouffante. Ouais, là, on descend du train, on se dit, mais waouh. C'est quoi cette chaleur? Voilà, c'est ça en fait qu'on prend. Je sais pas trop si c'est un si c'est un train ou un métro, je sais pas non, trop. Un tramway. Non, c'est pas un tramway, non. Moi, c'est un métrin. C'est un métrin, voilà, malgré des marres. On est arrivé. On est arrivé.
Hop. Faut le ticket pour sortir, non? Non. Non, c'est bon. C'est automatique. C'est automatique. Et la gare, elle est à quoi? 5 minutes ouais. De l'hôtel à pied? À peine. Ouais, voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Vous avez bien tous vos sacs. Vous avez bien tout. Et le papa, il a ce qu'il faut aussi dans les mains. Attends, mets la bouteille d'eau, hop, à la poubelle là. Elle est vide celle-là. Attention à la voiture, mets-toi là-bas. C'est grave utile ça aujourd'hui. Ouais. Il a fait une chaleur. Mais horrible. Mais vraiment horrible. En plus, on a marché 20 minutes pour aller à la Victoria Secret. Plus 20 minutes retour. Ouais, bon, ça fait du bien. En plus, j'avais chaud. Notre petit sport de la journée. Ouais. On avait tout chaud. Là, franchement, on va manger. Transpirer. Ah ouais, là, on va clairement manger avant que le buffet ferme, avant qu'il n'y ait plus rien aussi. Et après, on prend notre douche. Après, mon douche. Et après, on dort. Voilà, c'est ça. Alors, on vous fera pas de haul de ce qu'on a acheté maintenant. Je pense qu'on vous fera un haul quand on rentrera chez nous, après les vacances. On vous fera seulement ça en vidéo. On vous montrera tout ce qu'on a acheté. Ce sera plus simple. Là, on fera pas de... Voilà. Voilà, on a acheté plein de choses au fil des jours, donc on vous montrera tout directement dans un dans une vidéo haul, voilà, consacrée aux vacances. C'est dur de parler ici. C'est compliqué, on est fatigué là. Bon, il est quelle heure là? Il est 22h25. Voilà, donc en fait on vous a pas repris avant car on a mangé, on a pris nos douches, on a aussi été faire une machine à laver. Pour laver un peu de linge. De linge. donc on vous reprend que maintenant. Les donc boutiques là, ferment dans une demi-heure à peu près. Ouais, on va aller faire un petit tour et puis bon, on vous prend avec nous. Hein. Voilà, alors. L'ascenseur. Il n'y a aucun ascenseur. Lui, il est au 4. Alors nous, on est au 3. Là-bas, il est au 4. Ah, là, il est au 2. Ah, au 3. Ben, ça va être lui. Il y a peut-être lui, le possible. Ah, peut-être lui. Lui. On prend lui. Hop. Celui-là. Ouais. Vu sur la piscine. Vas-y. Donc voilà, dans celui-ci, on a vu sur la piscine. Bon, alors là, il y a une boutique de tatouages et de piercing. Et en fait, le papa de Kélia veut se faire un tatouage avant de partir. Bah, avant de rentrer en fait en France. Donc, bah normalement, il a rendez-vous samedi. Ou vendredi soir, je sais plus. Et en fait, Kélia hésite fortement. Pour me faire un piercing au nez, côté droit. Voilà, elle hésite pour se faire un piercing au nez. Sachant qu'en France, je crois, c'est 14 ans avec autorité parentale. Ici, alors il n'y a pas d'âge, mais tant que les parents autorisent, voilà. Et c'est beaucoup moins cher aussi ici qu'en France. Là, on a regardé, c'était genre 35 euros, je crois. Ouais, 35 euros le piercing au nez. Donc, bah, elle sait pas trop. Elle hésite à savoir si elle le fait ou pas avant de partir ou si elle attend. Mais j'ai peur. Ouais, elle a peur, peur d'avoir mal. Sachant que moi j'ai un piercing au nez que je me suis fait quand j'avais 14-15 ans je crois. Je sais plus trop. Et donc elle en veut un aussi depuis un petit moment déjà. Et je lui avais dit on verra pour tes 14-15 ans. Là comme tu auras 14 ans début septembre. Faites ça, cadeau d'anniversaire en avance. Voilà, après à voir. On verra ce que tu décides. En vrai j'aimerais beaucoup beaucoup le faire. Mais... T'as peur de la douleur? C'est ça, je sais pas, de la douleur et tout. Mais bon. Genre. Après un piercing. Après un piercing, c'est pas non plus. Voilà quoi, t'as deux trous aux oreilles. C'est oui, pareil, t'as eu mal quand tu les as fait. Vite fait, mais genre j'ai peur quand je touche, quand j'ai mal, pour désinfecter. Mais genre. Mais sinon, genre je me tâte beaucoup à le faire. Bon bah, on verra bien. Donc, Kélia veut une petite glace ici. Tu vas prendre Bueno, je parie, Kinder Bueno. Kinder Surprise. Kinder Surprise. Ouais, avec peut-être. Hola. 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 Je vais prendre Acone. Yes. Si. Si, pareil. Tu penses qu'elle est bonne? Elle est à quoi, tu penses? Je sais pas. Prends juste Kinder Surprise pour goûter déjà. Prendre Kinder Surprise. Trash Ratella. Ah, c'est un petit peu.
Avec la chaleur qu'il fait, t'as intérêt de la manger vite ta glace. Voilà, c'est étouffant la chaleur aujourd'hui. Des milkshakes, même ils font ça. Donc tu mets ce que tu veux à l'intérieur, un peu tu mets la glace. Ouais, ils font plein de choses ici. Hein. Ouais. Ça a l'air trop bon. Gracias. Bon, elle est bonne. Mon amour. Elle est bonne. Attends, je vais goûter Kinder surprise. Il est beau le cône comme ça. Mais oui. C'est une tuerie. Ça va vite fondre. Hein. Bon alors, il est quelle heure? Minuit 47. Mon frère il dort à côté. J'espère que vous avez entendu. Donc bref, ouais, il est minuit 47 c'est ça. Et en fait j'ai voulu regarder un petit peu bah, pour voir ce que donnait la vidéo. Alors de base elle devait durer 49 minutes. Ouais, 48 je crois. On a réussi à la baisser à 36. Ouais, 36 minutes c'est ça. Maman qui dit juste avant, ouais on n'a pas beaucoup filmé, elle durera pas longtemps, elle sera nulle. Et finalement elle dure super longtemps. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait la fin de vidéo. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait aussi tard. Mais je vais peut-être la modifier encore un peu, non, je vais voir. Modifie-la pas, elle est grave bien. Bon, ça fait long quand même. Hein. Mais les gens, ils kiffent les vidéos longues. Ouais, comme ton frère quoi. C'est ça. Bon, on verra. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.